C'était l'âge d'or de la vodka en Russie, puisqu'il y avait eu un décret de Catherine II, disant en russe que vino korienie toko dvarianami polienikamu, c'est-à-dire que seule l'aristocratie russe peut distiller. Et toutes les grandes familles russes distillaient. Il y avait une sorte d'émulation à qui ferait la recette la plus originale, la plus intéressante. Elles distillaient sans payer de taxes pour eux, et ils avaient le droit donc de le distribuer aux différentes autres familles. Et ça s'appelait les vichepitia, c'est-à-dire les alcools donc supérieurs ou alcools nobles, qui regroupaient donc toutes les vodkas, les liqueurs et aussi les rotafia. Voilà. Et donc on a retrouvé ces recettes dans les archives, on les a redéveloppées. Aujourd'hui, donc, on les a remises au goût du jour, et c'est pour ça qu'on les distille dans nos alambics sur cognac, puisqu'on a vraiment gardé ce savoir-faire de la distillation. C'est exactement la manière dont elles étaient distillées à l'époque, qui était une distillation dans des alambics qui permettent de garder donc toute une saveur, toute une richesse aromatique que l'on trouve plus ou peu dans les vodkas actuelles qui sont distillées en colonne. Donc le fait de distiller, de faire macérer et de distiller ensuite dans des alambics charentais permet de garder toute cette saveur. Ce sont des vodkas qui ont du goût, de la saveur, des vodkas gastronomiques qui s'accompagnent très bien avec différents ingrédients. Par exemple, on a deux recettes, on a le cumin qui s'accompagne très bien avec le caviar. Et une autre au citron et lait que certains chefs nous recommandent de prendre avec des huîtres, par exemple, du saumon. Voilà, donc ce sont des vodkas gastronomiques qui se boivent seuls, purs, mais accompagnés avec des mets. Voilà, c'est ce qui donne aujourd'hui toute la richesse et la valeur gastronomique de Vichepitia. Donc tous ces 2500 petits shots sont remplis de vichepitia et qui dégagent une odeur enivrante de cumin avec vraiment des arômes extrêmement fins. Et là, la vichepitia fait vraiment partie de cette œuvre artistique et on peut dire que dans ce sens-là, la vichepitia rentre dans le monde de l'art par la plus grande porte, puisque cette œuvre est une œuvre majeure d'une collection de l'Arte Povera.